Salut à toi, petite tortue, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon périple au Mexique. Alors, petite introduction très spéciale pour une vidéo très spéciale. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je viens d'arriver dans une des villes les plus incroyables du Mexique, San Cristobal de las Casas. San Cristobal de las Casas était une étape très importante. Alors, tout d'abord, parce que j'ai rencontré là-bas Alexis, avec qui j'ai pu faire un bout de chemin donc au Mexique. Et puis aussi parce qu'on a pu faire des choses incroyables là-bas à San Cristobal. Elle est tout simplement charmante. Là, on est vraiment au cœur du Mexique. Donc très rapidement, pour résumer ce que j'ai fait depuis le début déjà, donc j'étais parti de la capitale, hein, Mexico City, où ensuite j'étais allé à Puebla pour une première vidéo, puis à Oaxaca, où vous avez pu voir dans la vidéo où j'ai pu manger quelques petits insectes, puis le canyon de Sumidelo, hein, qui était juste à côté de San Cristobal, et puis me voilà à San Cristobal de las Casas. Bon bah voilà, j'espère que tu vas bien kiffer cette vidéo, moi je te garantis que tu vas en avoir des petits frissons, hein, tu vas pas te faire chier. Bon allez, balance. Alors là, je me sens encore plus petit. Petite préparation d'un torta local avec les amis. Bon, voilà, vous êtes saisi. Pour goûter la locale, quoi. They use the white wash medicine for the rituals, like a kind of white alcohol, similar as the mezcal or tequila. This one to zip? No. No, like that. Okay, perfect. Salud. I drink it straight. Plus an aperitif. I prefer. And now I'm gonna give you a little taste of the other flavor. Is chocolate preferred if it's good one? C'est bon. À la fin. Bon bah là on est au Lagos de Montebellos, toujours à côté de San Cristobal. Et bon, on n'a pas eu trop de chance là, il fait pas beau. Bon, c'est aussi beau quand même. Et on est bloqué là. À souffler parce que on est arrivé un peu en retard, c'était super galère dans les transports pour aller jusqu'à la cascade de Chiflon qui est assez loin de San Cristobal, c'est un peu une galère d'y aller. Et là, ouh, j'en peux plus. Donc c'est une cascade magnifique et c'est vraiment un lieu incontournable à faire. Et en fait là on court pour aller faire une des tyroliennes les plus grandes de la région et il y a une descente pendant 40 secondes juste au-dessus justement de la cascade de Chiflon. Donc c'est quelque chose d'incroyable. Et ça va bientôt fermer, donc on va vraiment se dépêcher pour le faire. Vous allez voir, c'est époustouflant. Sensation forte garantie. Je suis déjà essoufflé là. Donc on se revoit tout en haut. Ok, let's go. Thank you.
Gracias. Presque 400 mètres de distance, le Tyrolienne. On a bien fait de courir sans valer le coup. Mais que monter ici. Ah putain, ça vaut le coup, hein. Je suis trempé, là. Ah, je suis content, là. Je suis heureux. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Bon, comme d'habitude, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager et surtout à t'abonner à ma chaîne. Et puis, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Voilà ma petite tortuga. Donc ici, on est à peu près 20 minutes de San Cristóbal de las Casas, toujours au Mexique. Dans un petit parc qui s'appelle Arco Tete. Juste 10 pesos l'entrée, donc c'est vraiment un truc à voir. Il n'y a aucun touriste, donc je vais dire de plus. Enjoy. Pas bon, hein. Continue.